au concours à Cercy, concours qualificatif, tant que c'était au mois de juin. Et c'est une fille de Cocorico. Et sacré boom, elle-même par Dark Moon Danseur et Jolie Boom. C'est donc la souche. Ah, on parlait il y a quelques instants de Cross Country. C'est une souche où on retrouve une jument qui aura marqué les mémoires en très peu de temps. Vinga, lauréate en 2016. Non seulement de l'Angeloire Challenge à l'âge de 6 ans, cette fameuse course sur 7300 mètres au Lion d'Angers, et dans la foulée, au mois de septembre, du Grand Cross de Croix. On va pouvoir marcher, si tu veux bien. Voilà, pas trop près du public, mets-toi plus au milieu, s'il te plaît, Fanny. Ça laissera plus d'espace. Merci. Donc, Vinga, oui, a réalisé le doublé, le rarissime doublé, Angeloire Challenge, Grand Cross de Croix. So in the pedigree you find the famous Vinga, a champion in the cross country. We are talking about just a few minutes before of the about the mares and the fillies who are champion on the cross country, and Vinga was because she made the double in only 4 months. She won two of the three biggest cross country France. First one was at Le Lion d'Angers, the famous Angeloire Challenge, the longest race in the world. 7.3 kilometers. And then she won the Grand Cross de Grand over 6,000 meters. That was last year, and that filly was trained by Emmanuel Clayeux, the man who will welcome you all over tomorrow for the first point-to-point in France, at Vaumas.